Ezali solo tote nzambe ya pekisa bamboka bazala na nkumu to bakambi ya bapaya soki ezali vraiment bongo pona nini nzambe ya pekisa yango est-ce que contexte ya biblia ezokuta na otozolo bela lelo a quelques jours de sélection mesdames messieurs bonsoir lelo to rokende de la politique à la spiritualité face à l'opinion spéciale campagne électorale toyambeli bino spécialement na pokwa ya lelo le pasteur le révérend Paul Mukendi azali o tata mokambi ya église ya monene o babengi ministère Paul Mukendi mona mboka mbote mbote maman nazanga mokote sur ce plateau nazali nandeko Dan Zen. Oui, Zara, toujours Nabisho et Longo, Ndeko Danzen, Mbote. Mbote, Madame Naomi, bonsoir Pasteur. Bonsoir, bonsoir. Pasteur Paul Mukendi, Wabukole. Oui, c'est bien moi, en chair et en os. Très content de vous avoir sur ce plateau, en tout cas. Merci. Tout fongola manaka et lelo, Nabite Soros à la lèse, na lingala nanga, et ma tout moment, koko mélange et zo dérange te, pour que le message le kaye pas la bana mbouka ba comprendre. Rôle y Eglésia. L'Église ne doit pas être en dehors de ce qui se passe dans notre pays. D'ailleurs, dimanche, j'ai tenu un enseignement sur Deutéronome 17-15 où je parle sur l'élection des arbres. Seront l'apologue de Jotam où on dit les arbres sortir pour aller élire un roi. Alors, l'Église ne doit pas rester en dehors de ce qui se passe dans la société, et parce que tout ce qui se passe dans le monde nous concerne. Ça nous touche aussi. Il y a des gens qui pensent que quand on est chrétien, lorsqu'on est église, on doit rester au milieu du village. Je ne sais même pas cette expression vient d'où, et ça, on a tiré ça d'où, je ne sais pas, ce n'est ni biblique, ni quoi que ce soit. Même Jésus-Christ lui-même a parlé des problèmes sociaux dès son époque. Mais est-ce qu'il est permis à l'église, il y a Mokon, de Kopol Mukendi, de Mozali Mokambi, na kati église, il y a Nayo, aux oppositions pour un tel candidat en défaveur, il y a candidat Moussous. Oh oui, je pense que même Dieu lui-même, il dit j'ai aimé Jacob et j'ai aimé Esaü. Il n'y a personne qui est neutre et on ne peut pas être neutre. Même moi, en tant que pasteur, je ne suis pas neutre. Ça veut dire que je dis aux gens, écoutez, moi je soutiens tel candidat. Si quelqu'un, lui, dans l'église, sent qu'il peut aller voter quelqu'un d'autre, c'est son choix. Mais moi, en tant que leader, j'ai le devoir aussi d'indiquer le chemin aux gens. Mais quand on a monté l'évangile, quand on a un cher, est-ce qu'ils allaient comme ça à l'écambouté alors que cher, on a, ils ont pour gagner Mélimo pour Nankolo? Tout le jour à l'église, on ne prêche pas seulement « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Nous prêchons les problèmes de notre société. Ce qui nous tracasse, ce qui nous gouverne. Pourquoi? Parce que si les gens, l'économie va mal, même nous en tant que chrétiens, nos poches seront touchées, nos foyers seront touchés. Donc ça veut dire que nous prêchons les problèmes de la société. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est d'abord, on prêche la vie du Christ. Mais en même temps, dans la parole de Dieu, il y a la vie de la société. Jésus-Christ a parlé des Galiléens qui ont été tués par Pilate. C'était les problèmes de son temps. Et il a parlé de beaucoup de choses. Et les Paul et les autres ont parlé de beaucoup de choses. Sauf que les gens pensent que quand on dit ça, on fait de la politique. Ce n'est pas de la politique. Donc, le loto lo bakyo za politique te, o tikalinganga nzambe, mozo pesa makanisina yo. Je ne suis ni candidat député, ni au municipal, au provincial, ni quoi que ce soit, ni même au présidentiel, et non, je le serai jamais. On vous sent beaucoup plus proche du pouvoir en place. Oui, je soutiens le président Tshisekedi. Comme ça, vous le soutenez? Oui, mais d'abord, il est chrétien évangélique. Ça veut dire que pour nous, les évangéliques, c'est notre fils dans l'Église. Comment on ne peut pas le soutenir? On doit les soutenir parce qu'il est d'abord des églises évangéliques. Mmh. Donc, on appelle ici de réveil. On les soutient. Ça, c'est d'abord premièrement. Mmh. Deuxièmement, sa politique.
Si c'est un hérétique ou quelqu'un qui va à côté, moi je suis un homme de conviction, je ne le soutiendrai pas. Mais aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est sauvé. Et puis sa politique, c'est un homme, un vrai patriote qui aime son pays, qui a une bonne politique pour son pays. Et pourquoi ne pas le soutenir? C'est pourquoi je le soutiens. Devant la chair, est-ce qu'il est permis de parler d'autre chose que de prêcher l'évangile? Je ne sais pas ce que les gens pensent devant la chair, qu'est-ce qu'on prêche. Devant la chair, quand on doit prêcher, on parle de tout. De tout. Pas que la parole de Dieu. Mais ça fait partie de la parole de Dieu. Je vous ai parlé ici dans le livre des juges, je crois chapitre 9, où on nous parle que les arbres sont sortis pour aller élire un roi. Ça veut dire que quand je veux parler des élections, je commence maintenant à parler. On nous parle de l'olivier qui refuse pour dire pourquoi je vais renoncer à mon huile. Donc, j'ai donné l'exemple, il y a des chrétiens, une fois sauvés, il est juste concentré sur Christ. Son problème, c'est dans l'église, dans les quatre murs de l'église, il ne s'intéresse pas de tout ce qui se passe dans le monde. Si vous ne vous intéressez pas de ce qui se passe dans le monde, alors c'est ce qui va vous gouverner. Si vous n'intéressez pas ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui va vous gouverner. Ouais. Pasteur, la Bencholée, on l'a suivi une fois sur un média de la place, dire qu'on parle d'une tribu qui a pris en otage le processus électoral. Vous aviez suivi également comme moi. Comment vous aviez réagi? C'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est un corrompu tout simplement. Et c'est scandaleux. On a déjà vécu beaucoup de processus électoraux dans ce pays. Un Moulouba, c'est un Congolais comme tout le Congolais. C'est scandaleux tout simplement. Je ne soutiens pas Félix Tshisekedi parce qu'il vient de mon coin. Si c'était Jean-Pierre Bemba ou si c'était quelqu'un d'autre, je le soutiendrais. Dans ce pays, on a soutenu Mobutu. On l'a aimé. On a dansé. Et Laurent Désiré Kabila est venu. Les Congolais l'ont aimé. Et ils ont pleuré jusqu'aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila. Alors, vu que vous soutenez le président Tshisekedi, on a suivi l'abbé Monseigneur Ambongotir, la foi de Moïse Katumbi compte pour eux. Vous trouvez ça normal aussi? Oui, si lui, il trouve que Moïse Katumbi est catholique comme eux, moi, ça ne m'offusque pas. Ça m'offusque tout simplement parce que Moïse Katumbi est étranger. Mais si c'était quelqu'un d'autre et qui le soutienne, moi, ça ne m'offusque pas. Étranger? Oui, il est étranger, il n'est pas congolais. Vous avez de preuves qu'Aza est étranger? Oui, il y a toutes les preuves d'ailleurs. Toutes les preuves sont là aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux. Vous voulez quelles preuves? Sur un passeport, c'est écrit nationalité zambienne. Bon, on veut encore quelles preuves? Et c'est du sérieux, c'est du lourd. C'est les Américains. C'est sérieux, ce n'est pas un site qu'on peut aller trouver n'importe où. Non, c'est sérieux, c'est du lourd là. C'est écrit nationalité zambienne. C'est clair. Ils ont apporté un démenti. Eux aussi sont allés sur le même site. Ils ont fait la même chose. C'était écrit, cette fois-là, congolaise. Non, écoutez, là, c'est du n'importe quoi. C'est faux et archi-faux. C'est écrit clair, très clairement, nationalité zambienne. Il a non seulement été aux États-Unis avec, il a été à Londres avec, il a été en Belgique avec. Il a toujours eu ces passeports-là congolais. On nous a même dit, et plutôt zambien. Et je pense que dans leur démenti, ils se sont encore enfoncés. Vous savez, la Bible dit, en de temps comme celui-ci, le sage se tait. Il y a des moments où il faut se taire. Tu te tais, tu regardes d'abord comment ça va se passer. Ils ont dit qu'on lui a donné un passeport à titre honorifique. Bon, est-ce qu'il est le seul dans toute la nation zambienne à qui on remet? Parce qu'on a vérifié, la Zambie ne donne jamais des passeports à titre honorifique. Pourquoi? Parce qu'on a vendu quelques sacs de farine et puis c'est fini, on te donne un passeport. Et un passeport diplomatique, quand on le donne, sur l'espace où c'est écrit nationalité, on va écrire ta nationalité d'origine. On ne va pas écrire nationalité zambienne. C'est comme Jean-Claude Van Damme. On écrit sur, par exemple, son passeport, s'il est belge ou américain, on va écrire nationalité belge ou nationalité américaine. On ne va pas écrire nationalité congolaise. Quoi qu'il a un passeport congolais. Mais pour Moïse Katumbi, c'est écrit nationalité zambienne. Le gars est zambien. Mais le ministère de l'Intérieur zambien a démenti, pasteur. Est-ce que vous l'avez suivi? Vous pensez vraiment qu'on serait con de croire que la Zambie, en ce moment-ci, va nous dire la vérité? Katumbi, c'est leur sujet. Ils vont le couvrir.
nous sommes convoités par nos voisins. Ils sont contents aujourd'hui que le leur veut accéder à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Est-ce que si je dois poser la question, je vais aller écouter les officiels zambiens maintenant? Non. Peut-être les opposants, hein? Oui. Pas les officiels? Non, non, pas les officiels. Il a dit que toutes ces personnes qui s'attaquent à sa nationalité viennent d'un même village. C'est ce qui était scandaleux. Il est sorti comme un mafioso l'autre fois avec les manches retroussées. Assis dans son jardin, avec toute l'arrogance du monde entier, mais il n'a jamais dit qu'il était détenteur d'un passeport zambien. Si vous suivez bien cette émission, il est même en train de dire aux journalistes qui étaient en face de lui, il dit, écoutez, il n'y a pas de passeport zambien ici, je n'ai que le passeport congolais et ainsi de suite. Est-ce que tu as vu un passeport zambien? Mais il en a le passeport zambien aujourd'hui. Vous l'avez vu? Mais toutes les preuves sont là. Est-ce que j'ai besoin de voir pour croire? Nous croyons en Dieu. Tu as déjà vu Dieu? Mais il a dit ceci, que les gens qui s'opposent à sa nationalité viennent d'un même village. Comment vous comprenez ça? Je pense que Jean-Claude, je ne sais pas si c'est Jean-Claude, son nom, Muyambo, il ne vient pas du Kasaï. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Joseph Kabila vienne du Kasaï. Parce que c'est Joseph Kabila qui ont commencé avec le FCC. Et il a fui la fois passée parce qu'on voulait mettre la main sur lui. Ça ne venait pas du Kasaï. Ça ne venait pas du tout de là. Mais aujourd'hui, si quelqu'un parle, il veut jouer sur le tribalisme. Non, c'est trop bas. Alors le président Tshisekedi, avant qu'il n'accède au pouvoir, il y a une vidéo qui circule où il dit que Katumbi est un homme sérieux, est un homme crédible. Tout ce qu'on raconte sur lui, c'est un montage. Est-ce que le président s'est trompé à l'époque? Oui, il s'était trompé. Ce n'est pas parce que c'est le président Tshisekedi qui l'a dit que ça devient parole de l'évangile. Non, il s'était trompé. Aujourd'hui, la vérité est tout autre. La vérité est tout autre. Tout homme peut se tromper. Katumbi nous a menti, tous. Il nous a menti. C'est un mensonge. Écoutez, les gens qui sont tombés en amour avec lui sont tombés en amour avec un mensonge. C'est ça le problème. Jean-Pierre Bemba lui a posé la question. Mais qui vient de répondre? Pourquoi il doit rester les autres? À quelques jours des élections, candidature en déco, Moïse Katumbi, il a signé, il a la cour conditionnelle, tout ce qui est dans ma 12 jours. Donc, il y a un sujet que Katumbi, nationalité, n'est pas posé problème. Il y a tant d'autres solutions. Solution, il doit être invalidé. Et je vois seulement deux options pour lui. Soit il doit être en fuite, ou deuxièmement, il sera en prison. Parce que c'est de la mafia au sommet de l'État. C'est un mensonge. C'est des documents falsifiés. Il a menti. Même la Cour constitutionnelle doit encore ouvrir le dossier. On appelle ça un droit des faits nouveaux. Revoir l'arrêt à Cour constitutionnelle. Oui, c'est un fait nouveau qu'on nous apporte maintenant. Et ce n'est pas la fin. Hein? Ce n'est pas la fin. Ça va continuer à ressurgir chaque jour. Vous ne craignez pas ce qu'il demandait aux jeunes? Montrez vos biceps. Ça ne vous effraie pas qu'il... Non. Je pense que... D'abord, montrer aux gens, montrer les biceps, c'est de l'intimidation. Si Katumbi aime ce pays, s'il est congolais, comme il le prétend, il allait retirer sa candidature, n'allait jamais se présenter. Tout est compliqué chez lui. Tout est compliqué. Une femme qui est rwandaise, burundaise. Écoutez, si Katumbi venait demander la prière aujourd'hui, je prierais pour lui. Mais me demander la prière pour accéder à la magistrature suprême, je lui dirais non. Qu'est-ce que vous craignez si Katumbi devient président de la République? Qu'est-ce que vous craignez, pasteur? Paul Moutendier sera vendu. Nous allons perdre ce pays. On a passé 18 ans de souffrance et cette fois-ci, le gars va les dépiécer sérieusement. Il faut voir ce qu'il a fait au Katanga. Qu'est-ce qu'il a fait au Katanga? Mais il a pillé. Le gars s'est retrouvé aujourd'hui qu'il a des millions. Il est multimillionnaire. Il nous a pillé, spolié tout. Sans état d'âme et sans pitié. Et nous voulons encore aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a eu tellement de l'argent
qu'il s'est permis de croire qu'il peut aussi diriger le Congo. Mais écoutez, tout se règle avec Katumbi à coup de billets. Il a acheté des partis politiques. Il n'a même pas de base. Et aujourd'hui, dans la campagne électorale, ça se fait sentir. Hein? Parce qu'il n'a pas de base. Il n'en a pas. C'est des gens qu'on a achetés à coups de billets. Et pour même sensibiliser les gens, il faut dépenser 10 fois plus que les autres. Ozo Loba, Ozo Signé, Ozo Bandira, que Moïse Katumbi a danger pour Namboka Abisso. Aza danger, aza danger. Tata Wana aza dangereux. Aza mafioso. Pour preuve, vous voyez que il a déposé des faux documents à la Cour constitutionnelle. Il ne nous a pas dit la vérité. Mais ces juges se sont donc trompés sur les juges qui sont des professeurs d'université, des juges qui ont une longue carrière. Vous voulez dire que ces juges-là se sont facilement trompés comme ça? Non, mais écoutez, le monsieur vient avec les documents. Ils n'ont pas le Saint-Esprit pour savoir que le gars cachait le passeport dans sa poche? Non. Ils n'ont pas des dons de révélation pour dire non, tu as caché. Non, ils se sont fiés parce qu'il y a des questions techniques, même si c'est le droit. On dit, ok, monsieur, est-ce que tu es Congolais? Oui, je suis Congolais. Bon, est-ce que tu as un autre passeport, par exemple? Non, je n'ai pas un autre passeport. Et vous voulez qu'eux vérifient comment? Mais aujourd'hui, la vérité est têtue. Il parle d'acharnement. D'abord, c'est la loi Tchani qui n'est pas qui finalement n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. Ça doit être voté. Ça, on doit protéger notre nation. Vous voyez ça? On a un candidat, c'est lui, permettez-moi l'expression, qui a un cerveau de moineau. Et tous les gens qui sont autour de lui, il les achète à coup d'argent. Est-ce que vous imaginez que Katumbi a quelle compétence pour diriger une nation? Quelle compétence? Si on le dit, on est méchant. Mais, et pourtant, c'est vrai. Quelle est la langue que Moïse Katumbi parle correctement? Il n'y en a pas. Mais il va diriger le Congo avec quoi? C'est triste. Je pense que quand je parle comme ça, on dit non, il fait de la politique. Lui, là, le révérend, tout ça. Non, il s'agit de notre nation. Alors que Zalaki, gouverneur, il y a Katanga, Mounene, Mokoya, province, il y a Riche, il y a Mbokonabiso. Alors que Aoutaï Kozala, notamment, on a Union Sacrée. À quel moment, Moni, Union Soyama, B, Katinaï? On a jamais été d'accord. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ces messieurs-là. J'ai jamais été d'accord avec ces messieurs-là. Au Katanga, je pense qu'ils se sont partagés. Le Katanga, c'était lui qui était l'argentier de M. Kabila. Ils se sont fait l'argent. Parce que vous savez que M. Kabila pèse des milliards. Katumbi aussi pèse des milliards. À deux, ils se sont partagés les minerais du Congo. À deux. Mais c'est quand même grave comme affirmation, Mme Boka. Oui, mais c'est la vérité. Katumbi, c'est un autre Mwanga Chuchu. Oh. Katumbi, c'est un autre Mwanga Chuchu. Prouvez-le, pasteur Paul Mukendi. Prouvez-le que Katumbi... Quel est le point commun entre Katumbi et Mwanga Chuchu? Le M23. Mwanga Chuchu a été arrêté parce qu'il est de connivence aussi avec le M23. Katumbi est en connivence avec le M23, avec les Kagame et ainsi de suite. Affirmation, Soussou Yamakasi. Tout ça, la télévision, mon Amboka. Oui, mais c'est la vérité. Mais c'est pour cela qu'il ne peut même pas citer. Est-ce que vous pensez qu'un candidat à la présidence des États-Unis, on est attaqué le 11 septembre, par exemple, mais qui refuse de pointer Oussama Ben Laden le doigt? On est en Israël, le Hamas attaque Israël, et vous trouvez que, même si tu es opposant, on a vu même les opposants entrer dans le gouvernement, ils ont formé un gouvernement d'union nationale pour combattre d'abord l'ennemi. Mais ici, nous avons un candidat président qui refuse d'abord, il nous cache même sa femme, il nous regarde droit dans les yeux, nous les Congolais. On ne nous prend plus au sérieux même dans le monde. Droit dans les yeux, le gars, il prend sa femme, il la met de côté. Et il nous dit même, non, moi je vais même supprimer, abolir la place de la première dame. Voilà, au nom de quoi? Au nom de quoi? Et il nous ment comme ça, en face. Il pense que, vous savez... deux fois, l'argent peut te monter à la tête. Quand tu as tellement l'argent, tu peux croire que tu peux acheter tout le monde. Katumbi a cru qu'il pouvait acheter tout le monde. Mais là, cette fois-ci, les Congolais ont dit non. Ça se fait sentir sur le terrain. Là où c'est pénible. Écoutez, c'est pénible. Pour retourner à ce que je disais, le monsieur, le M23 le soutient. Allez sur les réseaux sociaux. Le M23, leur candidat,
c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi refuse de citer le M23. Moïse Katumbi refuse de citer Kagame. Il refuse carrément. Il nous dit que non, le président est en train de pleurnicher. Mais lorsqu'on a eu plus de 12 millions de morts, comment un chef d'État ne peut-il pas pleurer? Comment un chef d'État ne peut-il pas pleurer? Il a raison de pleurer. Il a raison de se lamenter. Il a raison de voyager et d'aller pleurer dans toutes les tribunes du monde entier pour dire que j'ai un problème chez moi. J'ai un problème dans mon pays. Quand il y a la vie qu'il y a quoi, sa solution à quoi agir, la place à quoi se lamenter, 6 mois caca. Oui, il a une confusion de... dans sa tête. Il pense qu'il peut régler le problème d'une nation comme il règle le problème dans son jardin. Il a vraiment un problème sérieux comprendre c'est quoi gérer une nation. Mais au fait, il y a 26 candidats. C'est vrai que 4 sont ralliés à Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi a un danger pour Katumbi? Parce que Tikali fixé trop sur Moïse. Oui, mais parce que c'est lui parmi dans l'opposition aujourd'hui, c'est lui qui est comme le challenger. C'est lui qui est comme la tête d'affiche dans l'opposition. Quand bien même aujourd'hui sur terrain, je pense que s'il y avait, pour lui, son élection est déjà finie. Là. Écoutez, à vrai dire, qu'on se dise la vérité entre nous, c'est déjà fini. Là. Pour Katumbi, je pense que même quand il dort, quand il se lève, je pense qu'il est courageux, le gars. Parce que, écoutez, si c'était dans des pays occidentaux, il se serait déjà retiré et puis c'est fini. À Roponamate, selon eux. Qui est Katumbi? Non, mais je ne pense même pas qu'il peut faire 20%. Mais pourquoi vous l'appelez challenger alors? Parce que Katumbi, c'est le candidat des étrangers. Derrière Katumbi, ce n'est pas Katumbi, c'est l'Union européenne. C'est tous ces multinationales qui sont derrière Katumbi. L'Union européenne comme organisation soutient Moïse Katumbi. Ils sont derrière Katumbi. Toute la vingtaine d'États. Je ne dis pas toute la vingtaine d'États, mais la plupart des grandes nations aussi soutiennent. Regardez seulement France 24. Regardez TV5. La France soutient... Ouais. Ils sont derrière. Ils ont voulu essayer avec Mukwege. Ça passe pas. Alors, ils ont poussé derrière Moïse Katumbi. C'est pourquoi on est sur Moïse Katumbi. Et ces gens-là, ils étaient en train de préparer la contestation. Oui. Ils voulaient contester tout ça. Mais aujourd'hui, c'est même impossible, la contestation. Elle est impossible. Le gars sera battu à plate couture. Mais pour nous faire respecter, pour moi... il faut l'invalider. Parce qu'il a menti, il a triché pour faire partie de la course. Il y a un concept, mon corps, voter bio. Ouais. Contenu dans les années. Voter bio, ça veut dire voter un fils du pays qui n'a pas de mélange. Un fils du pays, de père et de mère. Quand on le regarde, on se retrouve en lui. Et ça, au Kabola, Tekatoumbi, c'est un blanc grec. Je suis désolé. C'est un blanc, il est grec. Un seul homme zambien, un seul homme italien, un seul homme grec, un seul homme juif, il paraîtrait qu'il a même un passeport encore sud-africain. C'est en train de venir là. Pasteur, vous êtes pasteur, on va retourner un peu dans la Bible. Okay. On a vu un homme qui n'était pas égyptien tenir l'Égypte pendant 7 ans et l'Égypte a vécu longtemps, c'est Joseph. Est-ce que ce n'est pas une illustration qu'un étranger peut-il être une solution pour un pays, comme vous dites qu'il est étranger? On les aime, les étrangers, ils peuvent venir ici. J'ai vu même un blanc comme un candidat ici à la Gombe. J'ai vu tout ça, on n'a pas de problème avec ça. Les Congolais, c'est un peuple hospitalier. Et en passant, Joseph n'a jamais été pharaon, il n'a jamais été roi en Égypte. C'était juste un gouverneur. Juste un gouverneur. Il n'a jamais été pharaon. Comme deuxième personnalité du pays. Oui, il n'a jamais été pharaon. Il réglait les problèmes économiques. Parce que c'est lui qui avait trouvé la solution économique dès son temps. Mais en dehors de ça, non. Il y avait un pharaon qui était là, qui dirigeait les choses. Et vous voyez même le danger. Lorsqu'ils ont accepté Joseph, la famille de Joseph arrive. Ils étaient presque, la Bible nous dit, presque 70 hommes des pieds là. Il les présente à Pharaon. Pharaon ira leur donner des terres. Il leur a donné. Plus tard, ces gens se sont multipliés. En se multipliant, ils sont devenus un danger pour l'Égypte. Lisez bien la Bible. C'est parce que nous, les chrétiens, quand nous lisons, nous prenons seulement le sens spirituel. Mais quand on regarde sur le sens sociopolitique, ça devient différent. C'est là que le Pharaon s'est dit, on a un problème. Ce peuple est devenu plus nombreux.
Et s'il y avait guerre aujourd'hui, il pourrait se joindre à nos ennemis afin de nous dominer. Montrons-nous habiles. Empêchons-le de croître. Et c'est là que le problème a commencé. On a sorti une politique de ne plus laisser des garçons au milieu des enfants d'Israël pour les affaiblir. Et aussi, on les a maintenant réduits à l'esclavage pour qu'ils ne puissent pas prospérer dans le pays, avoir des postes un peu, ceci, cela. Mais c'est dans la Bible. Voilà. Pasteur Paul Mukendi, 63 ans d'indépendance, on a connu plus de 5 présidents. C'est le 5e que nous connaissons. Tous des Congolais de père et de mère. On est d'accord. Pas tous. Pas tous. Qui d'autre n'était pas Congolais de père et de mère? Les gens reconnaissent ça. Je pense que pas tous. On a eu Kassavubu qui était là, qui a fait ses 5 ans. On a eu Mobutu qui nous a fait 32 ans. Donc, mais pas tous quand même. On ne peut pas dire tous, non. Pour ceux qui ont été des pères et des mères, est-ce que leur bilan était élogieux? Il y en a qui ont appris à faire les premiers pas. 63 ans, nous sommes jeunes. L'Europe, elle est vieille. On est jeunes. On a appris à faire les premiers pas. Ils sont tombés. Les autres sont arrivés. Mais tous, ils ont gardé l'intégrité territoriale. Nos problèmes ont commencé lorsque on a laissé à certaines personnes entrer dans le système et laisser l'infiltration. C'est là que nos malheurs ont commencé. Vous avez cité Kabila. Kabila et Tshisekedi. Laurent Désiré Kabila. Kabila, fils Joseph Kabila. Okay. Et Katumbi, qui se sont tous les deux enrichis. Kabila est-il aussi de la même mèche que Katumbi, c'est-à-dire un non-congolais aussi qui a dirigé le pays pendant plus de... Bon, l'histoire nous en dira long, parce que avec tout ce que nous avons entendu, bon, y a beaucoup de questions. Et il y a beaucoup de questions. Et la manière dont il a dirigé le pays pendant 18 ans, ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Là, on a Kingakati qui est construit vraiment. Quand tu regardes, là, je ne sais pas, je ne suis jamais allé là, mais les gens sont partis là-bas pour dire que non, c'est beau, c'est magnifique, mais on n'a pas de jardin zoologique. On n'a pas de jardin zoologique. Revenons au M23. Vous dites, la seule preuve qui prouve que Katumbi soutient le M23, c'est parce qu'il ne condamne pas l'agression rwandaise. Le M23 le soutient. Il a le soutien du M23 et il ne le condamne pas. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba nous a même dit que son disciple, là, qui est en prison et en contact avec le M23, était en contact tous les jours. Vous voulez qu'on dise quoi? Ces messieurs-là, c'est l'homme de main de Moïse Katumbi. C'est son homme de main. Est-ce que vous pensez que lui va être en contact avec le M23 jusqu'à faire des transferts d'argent? Mais pourquoi on ne l'arrête pas? Parce qu'il y a toutes ces preuves que vous détaillez. C'est la question qu'on se pose. Le problème, c'est que nous nous battons, c'est pourquoi nous nous battons, pour récupérer aussi la souveraineté de notre pays. On a l'indépendance, mais on n'a pas de souveraineté. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pour cela que vous trouvez, lorsque une personne même enfreint la loi, il y a des gens qui sont soutenus par l'extérieur, il faut que les autres vont commencer à faire pression. On fait pression sur vous. Non, il faut que les élections soient inclusives. Il faut que ça soit inclusif. On vous fait vraiment pression. Pourquoi? Lorsqu'il y a des élections, par exemple en France, nous, on ne va pas faire pression chez eux. Pourquoi eux, ils viennent nous faire pression ici? C'est parce qu'à quelque part, on n'a pas de souveraineté. Et ceux qui pillent l'État par millions, ceux qui volent l'État par millions, sont tous des étrangers ou il y a des Congolais aussi qui volent? Il y a des Congolais. Il y a des traîtres. Est-ce qu'être Congolais est une preuve d'être un bon dirigeant d'un pays, du pays, de son pays? Je pense, j'étais en train de dire à l'église l'autre fois, je disais, il y a des gens dans mon église qui sont de l'ensemble, qui sont peut-être députation ou candidats quelque part. Je leur ai dit cette fois-ci, vous allez échouer parce qu'on ne va pas vous voter. Même si vous êtes mes enfants dans l'église, on ne va pas voter ce parti-là. Alors, pourquoi je disais, il y a des Congolais qui collaborent avec l'ennemi. Il y en a qui profitent du système. Et l'homme congolais a été tellement détruit. Et il aime tellement l'argent au point où il peut même vendre son pays. Est-ce que vous pensez vraiment que si c'était en France, tout ce scandale des passeports de Moïse Katumbi, en Grande-Bretagne, je sais pas, en Espagne ou aux États-Unis,
Vous pensez que Katumbi serait même en train de courir encore dans les rues? Non. On allait juste dire, non, ce monsieur-là, c'est compliqué avec lui. Mais vous allez voir d'autres Congolais aller rallier là-bas, aller se rallier à Katumbi pour chercher à soutenir l'insoutenable. Mais du moins, la population a déjà compris. On a vu à travers le monde des dirigeants qui ne sont pas d'origine, mais qui dirigent les pays. On va prendre la Grande-Bretagne, aujourd'hui le Premier ministre britannique est d'origine indienne. Barack Obama, il n'est pas... son père est kényan. Ils sont différents. C'est quoi la différence entre ceux-là et la République démocratique du Congo? Oui, nous ne sommes pas un pays d'immigration. Eux, ce sont des pays d'immigration, des pays de tout le monde. Là-bas, c'est le pays de tout le monde. Comme aux États-Unis, vous n'avez que le droit du sol. Tu es né là-bas, tu peux tout parcourir. Tandis que chez nous, non. Nous, on a nos tribus, on a nos affaires, on a nos ceci. C'est différent, on n'est pas un pays d'immigration. Non, ce n'est pas propre aux Congolais. Même en Afrique, que tu ailles au Zimbabwe, que tu ailles même en Zambie là-bas, que tu ailles même au Congo-Brazzaville, partout. Nous, on n'est pas un pays d'immigration. Eux, ce sont des pays d'immigration. Parce que beaucoup de gens disent, non, bon, on a vu l'autre là-bas. Non, ce sont des pays d'immigration. Comparé à nous, est-ce que ces pays d'immigration sont-ils développés ou pas par rapport à nous? Ben, ils se sont développés, mais sauf qu'ils ont des institutions qui sont très fortes. Très fortes. Est-ce que vous pensez que dans un pays sérieux, est-ce que Moïse Katumbi serait même candidat à la présidence? Dans un pays sérieux? Je pense que c'est vous qui posez des questions et les réponses sont à moi. Mais bien sûr, écoutez, dans un pays sérieux, il ne serait même pas candidat à la présidence. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, que ce soit même au Canada, pour devenir candidat, il faut d'abord passer par beaucoup d'étapes. Il y a des primaires, il y a des débats. Si vous l'appelez au débat, il va fuir. Je pense, je ne sais même pas. Pourquoi si... il fuirait, pasteur? Mais il n'est pas capable. Il va répondre comment? Mais il n'est pas capable. Le gars n'est pas capable. Il vient de faire une émission, toute une émission de presque une heure avec Alubumbashi là. Avec qui? Avec une chaîne lui montrer ses passeports. C'est presque une heure. Oui, mais c'est déjà. Il avait déjà préparé. C'est lui qui contrôlait l'émission. C'est celui qui a contrôlé, il savait ce qu'il devait, aller dire. Vous pensez que vous voyez Moïse Katumbi, il s'assoit là, il fait un speech, il parle là, très fort. Non, mais il n'est pas capable. Mais pendant la campagne électorale, il a communiqué dans la population, il est moko. Ok, l'air bozo yo kaba discours, azo lobani, kozo ba, bazozo ba, bazozo bangay. Et c'est ça, communier avec la population, non? Il n'est pas capable. Écoutez, mais le gars n'est pas capable. Faire l'argent, même quand on parle de Moïse Katumbi qui a fait l'argent, non, Moïse Katumbi nous a pillé. Moïse Katumbi a l'argent. Ça, on ne refuse pas. Mais pourquoi quand on met la liste de tous les gens qui ont l'argent, les milliardaires africains, pour ne pas parler dans le monde, ou les multimillionnaires africains, pourquoi le nom de Moïse Katumbi ne figure jamais là-bas? Parce que c'est de l'argent sale. C'est de l'argent pillé. Il ne peut pas être répertorié. Tout le concept, il y a voté bio, tout ça en campagne électorale, à quelques jours des élections. Est-ce qu'il faut voter moto? Parce que hasard de père et de mère, en qui critère, non, face à Martin Fayoulou, face à Aldof Mouzito, face à, je ne connais pas les autres candidats, peut-être Noël Tchani, Marie-Josée Ifoko, non, Mkwege, non, et les autres. On peut opposer le bilan. Ils peuvent demander à Félix Tshisekedi des comptes. Lui dira, ok, moi j'ai réussi. Les autres diront, non, bon regard. Et au peuple de trancher. Mais face à Moïse Katumbi, on ne lui présente pas le bilan. On lui présente le droit du sang. Parce que tu es étranger, je suis chez moi. Chez mon père, un étranger, notre serviteur dans la maison, ne peut pas venir me dire, tu dois mériter pour être le fils de ton père. Non. C'est à cause du sang que je suis le fils de mon père. Alors là, on ne parle pas bilan. À lui, on lui dit qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, c'est notre Tshisekedi. Nous l'aimons, il est notre fils. Qu'il détruise le pays, c'est votre Tshisekedi. Il ne va même pas détruire le pays. D'abord, pour preuve, regardez, il a mis Kagame à genoux. Hein. Même quand Moïse Katumbi dit qu'il est en train de pleurnicher, c'est Kagame qui pleurniche maintenant. Ce n'est plus le Congo. D'ici là, cette guerre va terminer. Il a mis vraiment à genoux. Nous devons être fiers de Tshisekedi. Regardez le contexte dans lequel il a pris le pouvoir.
Je pense que l'erreur de Moïse Katumbi, c'est d'avoir sous-estimé le président Tshisekedi. Il l'a sous-estimé. Cet homme, c'est une bête politique. Regardez dans quel contexte il a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, il a les deux mains sur le volant. Il a les deux mains sur le volant. Alors, pour moi, je dirais, face à Moïse Katumbi, c'est un étranger. Je suis désolé. Est-ce que ce n'est pas un argument de campagne, dire qu'il est un étranger? Parce que hier, il a composé l'Union Sacrée avec vous. Vous lui avez donné 5 ministères. Il a été une personne, il est cofondateur de l'Union Sacrée. Oui, c'était le parti, c'était son parti. Mais là, il n'était pas quand même président. Là, il veut prendre la présidence quand même. Est-ce que nous allons nous présenter aux Nations Unies là-bas un président qui vient du Congo? Il est blanc. C'est un blanc. C'est un blanc grec. Il est blanc. Et il vient là, il est président de mon pays. Moi, je ne suis pas capable. Moi, chez moi, ça ne passe pas. Non. Il paraît que vous êtes canadien. Il paraît. Oui, je suis canadien. Mes enfants ont la nationalité canadienne, mais je suis congolais, là. De père et de mère. Vous êtes canadien ou vous êtes congolais? Non, je suis congolais, là. De père et de mère. Naturalisé. Naturalisé. Canadien. Canadien. Mais je suis congolais dans le sang. Sauf que moi, si on me demande d'être candidat à la présidence, je vais déclarer mon passeport canadien. Lui, il a menti. Il a caché tous les autres passeports qu'il a. Il n'en a pas que le passeport zambien. Hein? Ah bon? Il n'a pas que le passeport zambien. Attendez, vous allez voir. Apparemment, il est bébé sur Moïse Katumbi. Ah oui, je connais beaucoup. Je connais beaucoup. Comment? Hein? Comment vous savez beaucoup sur lui? Écoutez, quand on vit à l'extérieur du pays, on a accès à certaines choses aussi. On a accès à certaines choses. Est-ce que Nzambe a pekisi? Selon Bibili, tozana pays moko laïque solo, mais mingi toza ba Christo. Est-ce que na Bibili a pekisa mina mopaya ayako konza? Et ce qui est bon pour nani? Oui, Dieu refuse qu'un étranger, c'est Dieu qui le dit, tu ne prendras pas un roi, un étranger, tu prendras parmi tes frères. Dieu le refuse parce qu'un étranger, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire, à un moment donné, il a une loyauté partagée. Je vous donne l'exemple. Moïse en Égypte, bébé, grandi chez les Égyptiens, élevé dans la sagesse de l'Égypte. Lorsqu'il devient grand, il voit un Égyptien en train de malmener un Israélite. Moïse a tué l'Égyptien. C'est ça même la cause de la fuite de Moïse en Égypte. C'est la cause. La loyauté partagée. Il était un prince aussi en Égypte. Préparé pour devenir aussi un jour peut-être un pharaon. C'est là que le pharaon a dit, mais non, comment il peut tuer un Égyptien et laisser vivre un Israélite? Et Moïse a pris fuite. C'est ça la fuite de Moïse. Je donne l'exemple de... Il veut nous prendre, excusez-moi, comme des enfants, en nous disant qu'il va supprimer la place de la première dame. Le combat qu'il y a eu dans le royaume des Médès et des Perses, c'était à cause de qui? D'Esther. Celle qui a joué un grand rôle. Pendant qu'on a élevé Aman, ainsi de suite, Mardoché refuse de se mettre à genoux. Allez, on décide de tuer tous les Juifs. Qu'est-ce qu'on avait dit à Esther par son oncle? Dans Esther chapitre 2, je pense le verset 15. Mardoché lui dit, ne révèle pas tes origines. Fais-toi passer comme toutes les jeunes filles des Médès et des Perses. C'était l'infiltration. Esther arrive là, on demande à tout le monde, quelles sont tes origines? Je pense qu'Esther a pu dire, je suis née seulement ici, ainsi de suite. On a pris Esther, elle est devenue même reine. Plus tard, c'est les autres qui sont morts. On a signé des décrets pour les tuer. Parce qu'Esther a parlé, s'est levée en leur faveur. Donc même la première dame, c'est important. On doit savoir, on n'est pas contre toutes les nations, mais aujourd'hui, on a des problèmes avec toute cette corne qui se trouve à l'est, Rwanda, de l'autre côté, l'Ouganda, et ainsi de suite. Il y a un problème, on ne peut pas faire semblant. S'il aime le Congo, même aujourd'hui, qu'il se retire, qu'il dise seulement, écoutez, il y a trop d'affaires. Dans le contexte actuel, ça ne sera pas bon. Pourquoi ne pas les laisser et à la sanctionner la population d'Enguine Mosolobé? Oui, mais je pense qu'au moment où nous sommes, moi, je me sentirais
que nous avons des institutions faibles s'il continue jusqu'à la fin. Parce que tout montre qu'il a menti. Du moins, qu'on les convoque pour l'entendre. S'il a raison, ok. Mais que la justice regarde au moins. Pour dire, nous avons vu sur les sites là-bas, regardez ce qui se passe. Ça circule partout. On ne peut pas faire semblant. Il y a, donc le procureur doit se saisir de ce dossier. Il doit se saisir de ces dossiers pour voir au moins ce qui se passe. Parce qu'il faut qu'il soit sanctionné. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Moïse Katumbi qu'il peut venir. Je ne comprends pas. On dirait que ces messieurs, on nous l'a envoyé comme un mauvais esprit en République démocratique du Congo. Mais oui, parce que c'est compliqué. C'est toujours Moïse Katumbi. La campagne se passe partout, chez tout le monde. Martin Fayoulou se promène, les autres. C'est avec Moïse Katumbi que quelqu'un est mort. C'est toujours Moïse Katumbi. Les autres n'ont pas de problème. C'est toujours lui. Quelqu'un va mourir là-bas. Il va y avoir un problème là. Ils sont venus manifester ici à Kinshasa il y a quelques mois. Il y avait des problèmes. Pourquoi c'est seulement lui? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est seulement lui? Si ce que vous ne souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, il devenait président de la République, est-ce que vous allez rester au Congo? C'est chez nous. Mais il ne deviendra d'abord même jamais. Même dans les rêves, même quand tu fermes les yeux, tu vois, on est en train de dire, proclamer Moïse Katumbi. Il faut lever une voix de désaccord contre ce rêve-là. Parce que ça ne se peut pas. Mais tout le monde a les lois traînées, bafoule. Non, il n'y en a pas. Soyons honnêtes quand même là. Il n'y en a pas. Ils souffrent sur le terrain. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que vous n'allez pas corrompre toute la population. On est combien? Ce n'est pas facile. Et regardez encore. Pourquoi? Regardez comment le président Tshisekedi se comporte en campagne. Proprement. Moralement bien. On filme comment il arrive. Pas de montage. Ils sont en train de faire des montages, bonifier les choses, montrer beaucoup de gens, tout ça. Quelqu'un qui veut nous diriger, mais qui triche même sur la photo. Quand il y a 10 personnes, on vous met 1000. Lorsqu'il y a 1000 personnes, on montre, je ne sais pas, 100 000. Lorsqu'il y a 100 000 personnes, on vous fait croire qu'il y a 1 million. Mais il veut diriger dans le mensonge. Le mensonge l'accompagne tout le long de la campagne. Les vidéos, n'en parlons même pas. Alors, comment voulez-vous diriger encore le peuple? Si tu as réuni 10 personnes, montre au peuple que 10 personnes, est-ce que vous pensez que c'est lorsque tu vas réunir 100 personnes que tu vas gagner l'élection? Non. Non, c'est la journée, le 20, c'est autre chose. Vous pouvez payer les gens, mais ce qu'ils ont dans le cœur, c'est autre chose. Les gens savent qu'ils ne peuvent pas voter Katumbi. Les Congolais savent. Ils ne sont pas prêts à voter un blanc à la tête du pays. Ils le savent. Tout le monde, sur la liste des candidats, tout le monde peut être président, peut être élu, ouais. Sauf Katumbi. Oui, Katumbi ne peut pas. Il n'est pas Congolais. Mukwege peut être élu, sauf Katumbi. Non, Mukwege, il a un dossier compliqué avec son affaire de genre. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est un peu trop compliqué. Il peut être quand même président. Lui et Katumbi, vous choisissez qui? Personne. Personne. Mukwege va brader nos mœurs. Parce que Mukwege président, même ma foi serait menacée. C'est un pasteur comme vous. Bon, entre guillemets. Parce que pourquoi un pasteur viendrait avec ces choses-là? Pourquoi? C'est ça le problème. Moi, je n'ai pas de problème avec les autres. Écoutez, mais pas Katumbi. Que Katumbi soit président, moi je suis au Congo, c'est mon pays, le Congo, mais il ne le deviendra pas. Je suis serviteur de Dieu. Oh, écoute, c'est domaine spirituel. Hein? Écoute, c'est un monde spirituel. Parce que j'ai prié que le président Tshisekedi a gagné. Ah bon? Oh, ouais. Ça je l'ai vu. Voilà la prophétie. Ça n'a rien à voir avec la politique ou quoi, je suis quand même... Vous savez, même quand on est les politiciens, je pense que Moïse Katumbi, si c'était entouré de vrais pasteurs, ils allaient lui dire, ce temps n'est pas bon pour toi. Il faut toujours se faire entourer des hommes spirituels. Même une nation a besoin des hommes spirituels. Ce n'est pas pour rien qu'en Israël, chaque roi avait son prophète. Alors, il y a des moments où les gens peuvent te dire, non, président, peut-être président Tshisekedi nous dit non, spirituellement, on ne te voit pas remporter l'élection. Les hommes spirituels vont te le dire. Et deux fois, il y a des gens qui ne nous écoutent pas, ils forcent.
Tu vois, la personne forcée, s'il avait des gens, bon, c'est parce que lui, il a des gens qui sont beaucoup plus occupés à autre chose, les cholets et consorts, tout ça. Est-ce qu'ils peuvent même voir quelque chose spirituellement? Je ne pense pas. Alors, c'est pour cela qu'il s'est lancé dans cette course et ça va lui amener des problèmes. S'il vous plaît, au monaki ndoto prophétie parce que moko ya basali ya nzambe ya mboka na biso na mitena tanga kombo na ye ndiko Joel Francis sa monaki ki maponomi ezate na mbula oyo. So yo monaki maponomi ezali Félix Tshisekedi a gagné au monaki ndoto ezali kindeni. Non, je veux que Félix Tshisekedi a remporté l'élection présidentielle. Ça je l'ai vu. Avec quel pourcentage? J'ai pas vu de pourcentage, mais j'ai vu qu'on était vraiment en liesse, en joie, là. Il avait gagné les élections, c'était lui. Mais sauf que, humainement parlant, ça va être une victoire écrasante. Elle va être écrasante. Mais écoutez, regardez quand même, là. Je suis pasteur, je dirige quand même beaucoup de gens. Quand tu es même là-bas, tu parles avec les gens. Mais il n'y a personne qui est prêt à aller voter Moïse Katumbi. Ceux qui sont à ses côtés sont en train de le piller l'argent. Ils ne lui disent pas la vérité. Peut-être qu'il aime trop aller dans les villages, il se promène là-bas, il y a des gens, des petits-enfants qui courent derrière lui, parce que ça fait longtemps, peut-être qu'ils n'ont jamais vu l'homme blanc. Alors, ils sont là en train de courir derrière lui. L'homme blanc, tout ça, on n'a pas de problème avec le blanc. Mon attaché de presse est blanche. Mon attaché de presse, elle est blanche. Canadienne, québécoise, pure laine. Des pères et des mères blanches. Pas mélangées, non. J'ai beaucoup de blancs dans mon ministère. Sauf que pour diriger le Congo, j'ai dit non. Écoutez, il faut qu'on soit honnête. Moi, je suis un homme de conviction. Je dis non. Écoutez, pour diriger le Congo, non. S'il venait prier dans mon église, non, je veux le recevoir, je ne veux pas les chasser. L'église catholique, qui est en train d'accompagner ce processus électoral, au départ, il y a quelques couacs sur la candidature de Denis Kadima, mais les choses sont allées telles qu'elles sont allées. La Bencholet dira qu'il craignait qu'un homme fort puisse prendre le pouvoir par la force, un peu comme on le voit dans d'autres pays africains. Je pense que, d'abord, ce n'est pas l'église catholique. Il faut faire la différence entre l'église catholique et la Cinco. Ce sont les évêques catholiques. Quand Chollet parle, il n'engage pas l'église catholique. Non. C'est lui et Ambongo qui sont dans cette mafia où ils ont déjà aussi reçu de l'argent. Ils ont regretté quand les observateurs européens sont partis, hein. Ils ont regretté parce qu'ils comptaient la contestation sur, avec ces personnes-là. Mais sauf que le Congo n'est pas le Mali, le Congo n'est pas le Burkina Faso, le Congo n'est pas le Niger. Le Congo, c'est le Congo. Et ils voulaient soulever parce qu'eux, ils ont une haine contre la personne de Tshisekedi. Il leur a enlevé le beefsteak de la bouche avec la gratuité de l'enseignement. Ambongo ne peut jamais aimer Félix Tshisekedi. Ça, oubliez ça jusqu'à sa mort. Alors, si il le dit qu'un homme fort va venir prendre... Non, il rêve en couleur. Il rêve vraiment, c'est un rêve vraiment en couleur, là, tout ça, mais c'est triste. Mais c'est parce que le président Tshisekedi est quand même gentil. Normalement, quelqu'un comme Ambongo n'est plutôt à choler avec ces gens de discours, parce que c'est dangereux. C'est une incitation à renverser le pouvoir, à s'accaparer de pouvoir de force. Et normalement, il fallait qu'il soit entendu. Pourquoi il dit ça? Alors que tu es bien à port et église catholique, où tu as ton banal 2006, 2011, 2018, qui n'ont les lots, bah, accompagnera toujours le quoi observateur processus électoral. Pourquoi que le balélo que balingi le président a en place? Oui, d'abord, ils avaient menti en 2018. Chollet a menti. Qu'ils avaient les smartphones, ils avaient des observateurs partout, ils ont menti. Est-ce qu'il s'est déjà excusé pour ce péché-là? Il n'a jamais demandé pardon. Ils avaient menti. C'est là qu'il y a eu scission maintenant. C'est là qu'il y a eu scission, parce qu'on était content. Le peuple voulait se débarrasser du régime de Kabila. Et Tshisekedi prend le pouvoir, le peuple est content. Ce n'est que eux-là
jusqu'à ce que les 5 ans sont passés, ils sont là, toujours en train de dire, il y avait tricherie. Même la presse étrangère, il y avait tricherie. Il y a eu des problèmes aux élections aux États-Unis. Pourquoi personne n'en parle? On a déjà tourné la page. On avance vers autre chose. Mais celui du Congo, parce que c'était pour affaiblir le président. Il fallait seulement taper dessus, taper dessus, taper dessus, taper dessus. Mais écoutez, c'est vraiment triste. C'est pour cela qu'il y a eu, cassure. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'Église catholique n'a pas le monopole de dire que non, ce sont eux qui sont forts. Aujourd'hui, les églises de réveil, nous sommes forts. Et on est même plus nombreux qu'eux. Vous êtes l'observateur pour déployer Bango? Ah oui. Combien? En tout cas, je ne sais pas le chiffre pour le moment, mais beaucoup. Dans quel cadre? Dans le même cadre que l'Église catholique. Pour Bango, ça reconnaît. Église catholique, n'a SCC. Mais ils sont reconnus au même titre que nous. Hein. Les membres de l'Église catholique, nous avons le même titre. Ils ne sont pas plus reconnus que nous autres. Vous êtes de quelle branche? De pasteur Paul David Olangui ou bien de pasteur, comment il s'appelle, l'ancien pasteur? Pasteur Dodo Kamba. Dodo Kamba. Non, il n'y a pas, des branches, tout ça. Il peut y avoir toujours des échafaudés là où il y a une organisation humaine, mais sinon, il n'y a qu'une seule Église de réveil. Qui vous reconnaissez qui des deux? Qui est le chef aujourd'hui? Pour le moment, il y a eu beaucoup de, chichi, mais sauf que l'Église de réveil, on a toujours quand même l'ordre des pères. J'ai dit qu'il, pour moi, je trouve qu'ils doivent s'entendre, que le pasteur, le prophète Dodo doit s'entendre avec le père pour trouver la solution à tout ça. Alors que bozo koko bungsa, oye zana katina binoté, bozo kanisa ki maramboka, de quoi ma ponomi, de boko ta bo pesi solution. Même à l'Église catholique, ils ont des problèmes, hein? Des sérieux problèmes, même plus que même nous. Quel des, problème? Des sérieux. Quel problème, pasteur? À l'Église catholique? Oui. Ils ont d'abord des problèmes de mariage. Ouais, ils ont des problèmes très sérieux. Il y a des prêtres qui ont des enfants. Qui ont des enfants. On avait même dit qu'il y a des prêtres, tous ces prêtres qui ont des enfants, qu'ils abandonnent tout ça, qu'ils aillent s'occuper de leur famille. Qui est parti? Ils ont ces problèmes-là. Donc. Mais en termes d'organisation, en termes de sérieux, en termes de l'histoire, à Port Nabango, Nabambo Kanyo sur Monkili, est-ce que tu peux comparer l'église catholique à l'église de réveil? L'église de réveil est trop jeune. Trop jeune. Et aujourd'hui, vous devez nous acclamer. Nous avons un chef d'État qui est des églises de réveil. Même celui qui viendra après lui sera des églises de réveil. Nous avons des ministres de ceci. On nous appelait les Mizambizambi ici. Tandis que l'église catholique, vous savez, quand vous êtes au Québec, vous allez trouver des rues, ça s'appelle Saint-Joseph, Marie de l'Incarnation, Saint-Barthélemy, vous allez trouver Saint-Sacrement. C'était les catholiques qui tenaient. Ils ont tellement abusé. Les catholiques ont abusé au point où, à Québec, vous pouvez parler de tout à tout le monde, mais sauf des dieux. Ils se sont révoltés même contre tout ce qui est religion. Parce que les catholiques ont abusé. Si on veut parler en termes de sérieux, on ne me dirait pas que les catholiques sont plus sérieux que nous. Alors, le pasteur Marcelo Tounassi, je ne sais pas si vous allez le paraphraser, disait que l'église catholique était une salle d'attente pour aller en enfer. Pensez-vous qu'il avait raison ou tort? Oui, il avait dit la vérité. Il avait dit la vérité. Comment? Les catholiques ne sont pas sauvés. Oui, mais ils ne sont pas sauvés. Nous, nous croyons en Jésus-Christ, on ne croit pas à la Sainte Église. Le salut, c'est quoi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ton âme? On ne croit pas à la Sainte Église, on ne prie pas à la Sainte Vierge, ce n'est pas biblique. Le problème avec les catholiques, les gens peuvent dire, pourquoi vous attaquez les catholiques? Vous n'attaquez pas les musulmans? Non, je ne peux pas prêcher contre les musulmans parce qu'il n'a pas la Bible en main. Nous parlons contre les catholiques parce que nous avons la même Bible. Mais ce qu'ils font est juste le contraire de ce qui est dans la Bible. La Bible nous dit que les gens qui ont des doctrines des démons, ils empêchent aux autres de se marier. Et on voit dans l'église catholique, ils sont contre le mariage. Ils adorent. La Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée. Mais eux, ils se font d'image taillée. La prière, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Eux, ils ont placé Marie comme médiateur. Bon, vous voulez qu'on dise quoi? Comment ça a été que les évangiles, surtout en Afrique, les missionnaires,
L'Église catholique. Protestant. Les missionnaires protestants. C'est quoi la différence entre vous, les réveillés et les protestants? La différence est un peu mince parce que les protestants sont beaucoup plus sortis de chez les catholiques. Donc ils ont une tendance à être un peu calmes. Ils ne sont pas comme nous, les églises de réveil ou évangéliques. On est un peu fervent. Tandis que les autres sont un peu beaucoup plus tranquilles. Et ils se retrouvent un peu, ils ont presque les choses un peu similaires dans leur façon de pratiquer les choses, mais ils se sont révoltés, ils ont protesté, on les appelle protestants, parce qu'ils ont protesté contre les pratiques de l'Église catholique. Et c'est pourquoi on les appelle protestants. Pasteur Paul Mukendi, Tokomina Souka, il y a une émission à Abisson, nous avons parlé politique, nous avons parlé spiritualité. Message n'a la population congolaise, n'a peuple congolais, et ça n'y est. Tout ce qui m'a promis dans 12 jours, Nini, au Pessiban, au localité. Pourquoi il ne faut pas voter pour un candidat au Yozo soutenir et pas un candidat Bosso? Je demanderai à la population congolaise de voter le fils du pays. Face à cette élection, c'est une élection de beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux. Nous sommes à la croisée du chemin de l'histoire de notre pays. Et derrière Moïse Katumbi, il y a des impérialistes qui sont là, qui veulent se partager le Congo comme un gâteau, qui veulent piller nos minéraux. Et qui ne veulent pas nous voir nous développer. Nous devons nous soutenir maintenant, être soudés et prouver à la face du monde que nous sommes un peuple intelligent, récupérer notre dignité en votant le fils du pays, voter bio, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Mwalamboka. Merci beaucoup. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Je suis là, je suis disponible. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Face à l'opinion spéciale campagne électorale, Tozaki, on dirait qu'il y a une antenne à la télévision. Ce qui est au Koutibiso, na Katikati, Kende, Kolanda, na chaîne YouTube, na Biso, Congo Buzz TV, mais Tokutani, Lobby, na Ngonga, il y a 20h, mais toujours avec le même plaisir de vous servir. Rendez-vous le 20 décembre. Au revoir.